C'est une macabre histoire qui, encore une fois, touche la sphère des stars des réseaux sociaux. Après le danseur américain Swae-Vi, 19 ans, mort d'une blessure par balle, l'humoriste de 24 ans, Adam Perkins et le suicide de la fermière Caitlin Lohan, c'est au tour d'un autre visage familier des usagers de TikTok de disparaître. Le 20 juillet dernier, une influenceuse chinoise de 23 ans, Xiao Qiomei, est décédée des suites d'une violente chute diffusée en direct sur TikTok. La victime est une jeune femme, bruitière de profession, qui partageait son quotidien à ses 100 000 followers sur le réseau social. D'après les informations du Sun, la TikTokeuse Xiao Qiomei se trouvait en haut d'une grue, sur son lieu de travail à Kuzhou, dans la province chinoise de Zhejiang, tandis que ses collègues étaient rentrés chez eux. Elle est tombée de l'engin, faisant une chute spectaculaire de 43 mètres sous les yeux de ses abonnés. En effet, certains affirment que la victime a gardé son téléphone en main durant tout l'accident, leur faisant vivre ce drame par écran interposé. Néanmoins, la famille de la défunte assure qu'il est impossible que Xiao Qiomei ait filmé sur son lieu de travail, expliquant qu'elle était très professionnelle et ne sortait pas son téléphone durant ses heures de travail. Au journal local, ils ont avancé l'hypothèse que cette jeune maman de deux enfants a seulement manqué une marche et est tombée. Xiao Qiomei a été incinérée. Ses cendres ont été placées dans une urne, sur une petite table avec un parapluie à côté, comme les traditions locales le demandent.